Salut à tous, c'est Baïsanka. Donc aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour un test de vitesse entre la Pro Gun T20 et la prochaine Grotti X80 Proto qui est vraiment hallucinante. Donc je vous avais déjà présenté un épisode où on allait au LS Custom pour la Custom. Elle est vraiment magnifique et là on va voir un peu ce qu'elle vaut contre la Pro Gun T20 qui est une des voitures les plus rapides du jeu. Donc tout d'abord on va faire un petit test, on va les faire passer une par une avec un chronomètre. Et ensuite, on va refaire le test, donc les petites comparaisons comme je faisais à l'ancienne avec l'écran coupé en deux et une voiture de chaque côté. Sauf que là, vous allez voir que ce test a bugué. J'ai refait plusieurs fois les enregistrements, les pistes buguées à chaque fois dans Sony Vegas. Donc si certains auraient la solution, merci de me le mettre dans les commentaires pour que par la suite, je refasse des petites comparaisons comme j'avais l'habitude de le faire. Donc c'est parti, je vous mets sur les tests. On va voir un peu ce que ça donne et je reprends juste après. Et voilà, donc on a pu voir que sur cette comparaison, la Grotti X80 Proto était plus rapide que la Pro Gun T20, pratiquement d'une demi-seconde, c'est quand même assez hallucinant, dans une ligne droite et après en course de fuck avec des virages, des rampes, des wall rides, c'est autre chose, faut voir si elle tient la route, si elle tient les wall rides, si elle est maniable. Là c'était vraiment pour voir la plus rapide sur une ligne droite, et c'est la Grotti qui la remporte, donc franchement je suis vraiment impatient que ce véhicule sorte. Regardez, je vous le remontre encore une fois, il est magnifique. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, donc OLS Custom, je vous la mettrai dans la description. Ensuite, si jamais vous voulez des petites comparaisons donc, entre la Grotti et d'autres véhicules, n'hésitez pas à me les mettre dans la description. Par exemple, entre la Proto et la Zantorno, la Osiris, la Adair. Mettez-moi tout ça dans les commentaires et du coup, je m'amuserai à refaire des petits tests de vitesse. Si ça vous a plu, moi je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.